Actuellement, je vis dans un petit appartement avec mes deux enfants. C'est grâce, si on peut dire ainsi, à l'accident que j'ai eu au foyer de Léval. Ce fut comme une bénédiction, cet accident, car vivre dans ces foyers, c'est l'enfer. On ne peut pas imaginer. En Afrique, nous sommes pauvres, mais nous sommes propres. Dans le foyer Abbé, comme dans celui de Saint-Plon, on était surprise de l'absence d'humanité. Femmes, enfants, hommes sont mélangés. On y rencontre des dealers, des délinquants. Les lieux communs que sont la cuisine, la douche, les toilettes sont des lieux de danger. Alors il y a eu des lectures de textes qui sont issus d'un recueil qui s'appelle « À ta place ». Ce sont des auteurs qui ont rencontré des demandeurs d'asile déboutés, toutes personnes qui sont immigrantes en Suisse et qui ont ensuite écrit des textes pour témoigner de leur expérience, de leur vécu. En réalité, ce sont des personnes qui ont mis à disposition leurs talents pour un collectif qui s'appelle Art et Politique, qui a édité un livre qui s'appelle « À ta place ». Ça se place dans le cadre de la campagne par rapport à la votation du 9 juin, donc sur la révision de la loi sur l'asile, les mesures urgentes. Et nous, on recommande de voter non, donc on fait une campagne pour expliquer aux gens ce qui est en train de se passer dans le droit d'asile et pour les inciter à s'y opposer. Judas est au sens vrai du terme un sans-papier. Il n'a aucune pièce pour prouver son identité. Ses pieds sont gonflés, cornés, de ceux qui bougent sans cesse. Lorsqu'il dort dans les parcs, on lui fait des injections par la tête. Il soulève son pantalon, ses mollets sont gris, parcheminés. Comment est-il arrivé là? À la police, à l'hôpital, personne ne sait rien. Il fait parler son corps en son nom, à sa place. Il est dans la rue comme transparent. Le système peut l'oublier tant qu'il ne demande rien, il n'embête personne, ce qu'il fait consciencieusement. Je travaille moi-même dans une permanence juridique qui s'occupe de requérants d'asile, donc j'ai reconnu en chacun de ces textes des situations que j'ai vu passer et où j'ai essayé, où on a essayé de faire quelque chose. Mais évidemment, tout ça, ça dépend du contexte juridique dans lequel se situent ces personnes. Alors, on a organisé des flash mobs, des actions par rapport à la procédure d'asile aux ambassades pour montrer que des personnes risquaient de devoir tenter un voyage périlleux. On a fait une action dans le lac Léman. On a fait une autre flash mob hier par rapport à la mesure qui prévoit des centres pour les demandeurs d'asile qui ont des comportements dérangeants. Donc on a fait une autre action où tout le monde était déguisé en prisonnier pour des motifs futiles. Et puis on organise aussi des conférences, on organise des stands aussi pour faire connaître nos arguments et des conférences de presse, etc. Tout ce qui est lié à une campagne de votation finalement. Comme c'est une votation fédérale, il y a dans toute la Suisse des comités référendaires et puis nous, Stop Exclusion, on est le comité référendaire genevois. Pourquoi je ne retourne pas en Israël ? Ici, je suis seul, mais je vis bien. Tant que l'on ne me voit pas, je peux disparaître à petit feu. Slowly, slowly, it's okay. Et puis Israël, c'est pire qu'ici. Il y a beaucoup de crimes et de violences. Mafias, mafias, mafias are everywhere. Toi, tu as dit que tu pouvais me donner un peu d'argent. J'en ai besoin maintenant. Judas, fou, immigré, survivant des camps, bête, juif, enfant, abusé, psychotique, orphelin, poète, fugitif, traître, parasite, salaud, Judas, victime, pervers, Judas, homeless, mystique, sans travail, Judas, sans papier, apatride, Judas, crucifié, enculeur de catégorie.